Donc je m'appelle Cyrielle Chargelec, j'ai 32 ans, je suis technicienne informatique. J'ai candidaté à SOS Fashion parce que je souhaite retrouver un style de vêtements qui me convient, savoir quelles couleurs me conviennent. Alors j'attends des coachs qui puissent me guider sur le style de vêtements que je peux mettre, ce qui me conviendra davantage et surtout ce que je ne dois pas mettre. Voilà. Alors Cyrielle, ta silhouette, comme on a vu, c'est un A, c'est-à-dire que tes épaules sont légèrement plus étroites que tes hanches. C'est très très léger. Hein. Mais là, en l'occurrence, comme ta taille est bien marquée, on va plutôt cintrer la taille et apporter un petit peu de volume aux épaules, le minimiser aux hanches pour pouvoir équilibrer ta silhouette. Au niveau des couleurs, on est vraiment sur des couleurs pleinement automnales, c'est-à-dire des bruns, des dorés, des moutardes, des orangés, des cuivrés, des choses comme ça. Ce sont vraiment les couleurs à privilégier pour toi au niveau des vêtements, des accessoires et du maquillage et de la coiffure. D'accord. Ok. Cyrielle, est-ce que tu es prête? Maintenant, c'est la partie cheveux. Donc, tu es automne intense, donc ça appelle des tonalités plutôt chaudes, plutôt automnales. La tenue qu'on a choisie pour toi me sert de base de travail pour les couleurs que je vais utiliser pour tes cheveux. Pour ce qui concerne la coupe de cheveux, effectivement, tu m'as dit que tu avais eu une expérience désagréable avec des cheveux un peu trop courts. Je pense que tu as tout intérêt à avoir une coupe qui t'encadre. Je vais retravailler la longueur que tu as pour que ça soit facile à coiffer, que ça aille avec la couleur, que ça taille, mais ce ne sera pas un grand changement de coupe. Ok ? On va faire un teint couvrant quand même. Je vais bien te changer le teint, non je rigole, je vais t'illuminer le teint et on va travailler beaucoup au niveau des yeux, on va charger les yeux pour que ton petit minois ressorte et qu'avec les lunettes après ça se voit et faire plaisir à notre Alice nationale. Je verrai peut-être si on fait un trait d'eyeliner ou pas, mais tout va bien se passer et puis surprise tout à l'heure.